Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Landon pour la saison 2 de mon pour l'épisode 14 de la saison 2 de mon let's play sur le jeu sport. Allez, je vous avais dit que la dernière fois je vous laisserai et je chercherai une planète où je pourrais vendre tout mon bordel d'épices, et j'ai trouvé, c'est celle-ci. Alors si je me souviens bien, c'est celle-ci. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est celle-là. Voilà, donc on va vendre tout ça. Hop. Aïe. Donc là on a un paquet de fric. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je vais juste revenir chez moi, ravitailler. Oh là là, c'est trop le bordel. Il y a trop de trucs. Je ravitaille un coup. Il faut que je colonise encore deux systèmes solaires. Là j'ai rien à vendre. Par contre, à acheter certains trucs, ça pourrait être pas mal. Genre la grande soute, oui, parce que je me suis un peu baladé, tout ça, j'ai fait quelques trucs, et du coup, j'ai débloqué certains trucs comme la grande soute ou la grande capacité énergétique. Bon, par contre, c'est peut-être un petit peu cher. On va aller voir ailleurs si on y est, histoire de voir s'il n'y a pas un petit peu mieux. Je vais récupérer quelques épices. C'est toujours ça. Et la grande soute va bien m'aider du coup. Alors par contre, je suis en guerre avec les violets. Voilà, ils sont pas contents du tout. Bon, c'est un poil embêtant, mais ça doit aller. Tant qu'ils m'attaquent pas. Enfin, je suis pas en guerre, mais disons que si je vais dans leur système, ils vont avoir tendance à m'attaquer. Du coup, à éviter quoi. Voilà, alors le système là, ouais non, le rachat est pas pour tout de suite quand même. On va aller voir, si on peut acheter des trucs sympathiques. Ouais, ça c'est bien, la grande soute. Ah zut, il y avait les colonies express, c'est aussi c'est cool à acheter, parce que j'en avais plus. Et je vais essayer de m'implanter sur d'autres planètes. Alors on va aller voir ici. Si je pouvais racheter ce système, ça serait génial. Oh là, 58 000. Ah, et puis 29 000 et des patates. Je pense que je vais pas cracher dessus. Voilà. Par contre, t'es insupportable à écouter. Ils ont une voix, mais affreuse. Alors, quel système je pourrais essayer de coloniser? Faut pas que je sois trop loin non plus. Je vais me balader, voir s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien, pas d'objet. Pas d'objets rares en fait. Il y a vraiment pas d'objets rares. C'est un peu embêtant. Là je pense que je vais un peu loin. Il y a un nouvel empire ici. On va aller voir ça. Ah, eux ils sont copains de base. Qu'est-ce que tu as à vendre? T'as pas énormément de choses. C'est l'empire Bordouche. À la limite, tu me fournis une aventure, pourquoi pas. Allez, on va se faire une aventure, ça change un peu. Allez, c'est parti. Une aventure, ramener le Lamador sur la planète Île 2. Bon, bah, allons-y, Île 2 qui est une planète à épices violettes. Ouais, bah pourquoi pas. Ah, je crois que j'ai jamais fait celui-là. Allez, c'est parti. À débarquer. Les ruines maudites. Explorez intelligemment les anciennes ruines pour trouver le lama d'or. Mettez-le à l'abri, puis revenez au point d'extraction. Prudence, beaucoup sont entrés, aucun n'est ressorti. Allez, c'est parti. Vous voici dans les ruines de Zara-Zara. D'après la légende, un lama d'or massif serait caché ici. Trouvez-le, puis ramenez-le au point d'extraction en un seul morceau. Bon, mais c'est pas ma première aventure, je m'en fous. Vous savez que le lama d'or se trouve quelque part car ici, il faut commencer à le chercher. Collectez poignée de joyaux. Donc, tu vas finir empoisonné, toi.
Boum. On va se méfier de ces créatures. Voilà. Donc. Allez, mange. Ok, la santé au cas où. Alors, à Point Joyeux Chien, j'en ai quelques-uns. Alors. Mais laisse-moi tranquille. Voilà. Donc là, je suis à 15 sur 25. Il n'y en a pas d'autres? Si, peut-être par là. En plus, être comme régène. On se tire. Alors, faut examiner la porte de pierre. Les gemmes sont comme des clés pour ces dentelures. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté. Oh mon dieu. D'accord, faut que je collecte des joyaux, c'est toujours les mêmes. Hein. Alors, il défonce tout lui. Oula. On va passer tant qu'il est occupé. Hein. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je vais voir ailleurs tant que j'y suis. Voilà, ça y est. J'ai récupéré la poignée de joyaux. Ouf, on va vite examiner la porte de pierre. Il y a une sorte d'inscription, ça ressemble à un avertissement. C'est assez difficile à déchiffrer, le gardien vous surveille. C'est pas le moment de se dégonfler. Trouvons ce lamador. Encore des cristaux. Je trouve un moyen de me régénérer. Si possible, sans crever. Oh, un pont, il y a de la lave en dessous. Oula. Là c'est bien, 19 sur 25. Ok, les derniers sont là, je pense. Oh oh, le lamador. Ok, d'accord, le gardien. Faut que je me tire de là. Faut que je me tire de là, la vie infinie. J'ai pas le sprint? Si, j'ai le sprint. D'accord, faut que je file au point d'extraction. Wow, wow, wow. Déballe point d'extraction. On laisse tranquille. Oula, pas facile, hein. En fait, je suis pas du tout axé sur la défense, du coup... Un peu la galère. Beau travail, vous avez récupéré le lamador, un trophée de plus dans votre collection de trésors inestimables. C'est gentil. 400 sur 525, oui, il faut encore une mission. Île 2, à la limite, on pourrait se foutre sur île 2, quoi. Oui. Je veux descendre sur la planète. Bah, c'est con, du coup, on pourra jamais y aller. Ah, c'est emmerdant. Attendez juste deux secondes. Voilà. On pourra jamais y aller, c'est bête. Il est content, hein. Il est content.
Je suis pas sûr que ça soit par là que je trouverai ma planète idéale. L'idéal, ce serait les épices qui se vendent bien. Oh là! Ok, bon là, c'est tout bénef, hein. Deux épices violettes, je prends tout de suite. Allez. Boum. Par contre, ça a l'air d'être assez compliqué. Ok, j'ai une transmission. J'ai une transmission. Il faudrait que j'établisse une deuxième colonie là-bas. En fait, il faudrait que je prenne deux autres aussi colonies express. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est ça, va te faire foutre. J'ai pas envie de t'envoyer 200 000 sport flouze. T'as rêvé, mon mec, mon pote. Alors, on va se foutre ici aussi. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut pour cette planète-là. Alors. Elle, il faudrait que je dédensifie l'atmosphère et que je la réchauffe. L'autre, c'était l'inverse. Alors, on installe sur cette planète. Ok, là, il y a une attaque. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Après, je m'occuperai la terraformation des prochaines planètes. Ok, là c'est des bandits. Des bandits, c'est tout bête. Ok, j'ai obtenu un missile proton. Alors par contre là il y a un bout d'épice là qui est laissé. Vous voulez pas que je vous le prenne de toute façon? Ok, moins 7, ça devrait aller. Du coup je vais t'acheter les deux colonies express, hein, parce que ça s'achète pas trop cher chez toi. Alors, de ce côté-là, bah, il en faut deux. Il en faut deux aussi. En fait, il me faut deux de chaque. Juste pas que je me plante. Juste pas que je me plante. On va bien voir. Par contre, c'est un peu loin, quoi. C'est juste un peu loin. Alors, on va commencer par celle-là. Par contre, est-ce que j'ai assez pour terraformer? Oui. J'ai largement assez. Faudrait juste que j'aille sur une autre planète pour récupérer les espèces. Bon bah allons-y. Alors toi, il va falloir que je la densifie et que je la refroidisse. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Décidément, j'ai juste envie de me gratter l'oreille. C'est un peu embêtant en tournage. Alors. Voilà. Voilà. Et hop, et d'une. Eh oh, laissez-moi le temps de stabiliser le deuxième niveau. Zut, l'espèce est déjà présente. Voilà. Hop. Ça y est. En plus, je peux installer une deuxième colonie. Ça va juste me coûter la peau du cul en installation d'atelier colonial. Enfin, dans l'atelier colonial. Allez, hop, charge-toi, Sporpedia.
Hop. Alors, je voudrais voir quelque chose. Tournez-moi ce truc. Ok. C'est pas très intelligent de faire ça comme ça. On va essayer de faire un truc. Je vais poser ça au pif. Alors à la limite, si on en met un là. Voilà. Là c'est bien. Et hop. Donc là on fait plus 96 par heure. Ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait que je mette des réserves à épices aussi. On va s'occuper de celle-là maintenant. Ça me coûte encore la peau du cul. Décidément. Gardez ça comme ça. Voilà. Voilà. Et hop, la dernière, plus 120 par heure. On est bien. J'ai toujours pas gagné de badge de colon supérieur, hein? C'est à combien, colon? 100 bâtiments coloniaux, j'en suis à 91. Ouais, ça va aller vite. Ok, faudrait que je m'achète des réserves à épices aussi. Parce que là, il n'y a clairement pas assez. Elle est où la deuxième? Elle est là. Par contre, est-ce que j'aurai assez pour stabiliser l'atmosphère? Ah, c'est pas dit. Je crois que je vais faire demi-tour. Et je vais chercher les espèces qu'il y a sur l'autre planète. On va pas s'embêter, on garder les mêmes. Dis donc, il y a déjà une épisviolette. Faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Du côté de l'autre planète, épisviolette. Allez hop, aspirateur d'espèces. Quand même pratique ce truc. Je trouve ça assez génial. Je l'avais encore jamais eu, bah du coup, je suis très content de l'avoir. Alors, c'est parti mon kiki. C'est pas bien compliqué, c'est les deux derniers qu'il faut prendre. Alors, en espérant que vous vous mettiez dans le bon sens. Voilà. Mais non, ça en fait du boucan là. Allez, on va se préparer à envoyer le pâté au niveau des espèces. Allez, c'est parti. Et hop, on stabilise. Zoologiste 2. Oh, ouais, 2 secondes. Je m'occupe de la terraformation de cette planète. Cool, j'ai relevé un listé de 10 planètes. Est-ce qu'elle n'est pas déjà au même endroit? Alors, où est la plante moyenne? Il y en avait deux. Voilà. Voilà. Les plus grosses colonies peuvent être implantés, on va implanter une plus grosse. Boum. Voilà, déjà avec ça on est bien. Bon, je vais vite faire demi-tour, voir ce qu'il me demande. C'est la fin de l'événement. Ouh là 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 là.
Ah oui, rachat de système. Ça y est. Rachat de système de ce côté-là, qu'est-ce que tu veux? À te faire foutre, j'ai pas envie de t'envoyer du fric. Et toi? Des pirates attaquent la planète Lucie. Bon, attendez, on va s'occuper des pirates, ensuite je vais vous laisser là. Toi, ok, tu veux me demander du fric, bah va te faire foutre. Lucie, non, j'ai besoin des 20 épices roses là. D'accord, je suis arrivé, ils se sont barrés. Boum. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt cool. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous!